C'est parti pour l'enregistrement. Voilà. Alors, bonjour, bonjour à toutes et à tous à nouveau. Je vois que voilà, on continue d'arriver, c'est parfait. Écoutez, très heureux de vous accueillir dans l'un de ces premiers webinars de l'année 2017. Oui, c'est le premier d'ailleurs. Et premier d'une série. Donc avant de démarrer tout de suite sur ce webinaire sur les fondamentaux de la multimodalité, je vais passer la parole à Christophe qui nous accueille de toute façon au sein de Communautique à travers ce premier webinaire 2017. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis très content que vous soyez parmi nous, que vous ayez remplacé votre pause déjeuner par une pause sandwich webinar. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le plein aujourd'hui, donc on risque d'avoir jusqu'à 20 personnes en fait autour de, je vais pas dire autour de la table, mais autour du webinar, donc ce qui est bien. Donc j'en suis très content. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne séance et puis le début de quelque chose qui va durer longtemps. Merci, à bientôt. Je vais du coup fermer mon micro. À toi, Jean-Luc. Ok, merci Christophe. Donc, écoutez, on va effectivement passer là, une première heure ensemble. C'est l'étape 1 de ces fondamentaux de la multimodalité. Donc, très rapidement, moi je suis donc Jean-Luc Peuvrier, j'irige le cabinet Stratis, dont vous avez le nom sur cette première diapo. Donc, c'est un cabinet qui a 15 ans d'existence aujourd'hui, qui fête ses 15 ans cette année, donc dans l'accompagnement des projets numériques pour les organismes de formation principalement. Petite activité au niveau des entreprises, donc une activité de conseil, de formation et également d'ingénierie technique autour des outils open source essentiellement. Voilà, donc nous avons conçu avec Christophe donc cette série en fait hein, de webinaires qui autour de deux thèmes, enfin un thème principal qui est celui effectivement des fondamentaux. Nous verrons effectivement hein, le côté de la diversité hein, aujourd'hui dans cette première étape. Et puis, dans un mois, jour pour jour, nous nous retrouverons à nouveau pour voir ce que l'on a appelé les coulisses de la multimodalité. C'est-à-dire, on regardera un petit peu derrière les usages, qu'est-ce qui compose effectivement un dispositif, quels sont les éléments techniques, quels sont l'ensemble, on va dire, des composantes d'un dispositif. Vous aurez d'autres, après, en avril, en mai, vous aurez d'autres l'occasion de suivre d'autres webinars, certains un petit peu plus techniques, certains plus, on va dire, orientés vers de la prospective. Et puis, nous nous retrouverons, on a proposé que vous veniez cette fois, qu'on se rencontre dans un atelier, hein, si vous avez envie de poursuivre cette approche, de nous retrouver dans ce cas-là, que nous retrouvions tous ensemble dans un atelier le 31 mai, pour, fort des connaissances que vous aurez acquises tout au long de ces mois, d'échanger autour d'exemples en faisant venir donc dans cet atelier des organismes de formation qui pourront vous présenter leurs projets, comment est-ce qu'ils les ont mis en œuvre, dans quel objectif, quelles sont les solutions. Voilà, qu'on ait un vrai temps à la fois d'explication et de compréhension par la pratique, par des dispositifs véritables, hein, on va dire, voilà, il suffit pas de théoriser, mais aussi que vous puissiez échanger, discuter avec eux, leur poser des questions. Voilà, donc ça, les trois temps. Et puis, vous avez eu très certainement sur le site internet de Communautique, vous avez certainement pris connaissance de l'ensemble des animations qui couvrent ce premier semestre 2017. Voilà, alors qu'est-ce que l'on va faire dans un premier temps? On va traiter, je vais vous proposer de faire un petit questionnaire. Questionnaire en ligne, hein, vous allez voir, on va essayer d'utiliser un certain nombre des fonctionnalités qu'on trouve dans une classe virtuelle. Hein, donc là, vous êtes dans un outil de classe virtuelle. Peut-être que certains sont habitués à ce genre d'outil, pour d'autres, c'est peut-être la première fois. J'espère que ce sera une bonne expérience.
pour vous. On abordera ensuite, après ce petit quiz, des questions un petit peu de vocabulaire, hein, histoire et vocabulaire, mais je vous rassure, on fera ça très rapidement. Et puis surtout, pour passer plus de temps sur les différentes formes de multimodalité et surtout quel type de multimodalité on est amené à mettre en œuvre en fonction de quels objectifs pour soi-même en tant que formateur ou pour son organisme de formation. Les activités qu'effectivement je vais vous inviter à réaliser hein, pendant 7 heures bah, peuvent être, bien sûr, il y a des temps d'exposé. Ici, il y a également de l'écriture collaborative, hein, on verra, on testera à un moment donné. On aura des temps de discussion, bien évidemment, c'est le chat, j'essaie de jeter un petit coup d'œil. Hein, donc vous n'hésitez pas tout au long de 7 heures, si vous avez effectivement besoin de poser une question, si vous voulez faire une remarque, vous pouvez effectivement la mettre dans l'écrire directement dans le chat. Et comme je le disais, donc je le répète pour ceux qui nous ont rejoints depuis, si vous souhaitez prendre la parole, lever la main, vous avez en haut à gauche de votre écran la petite main, voire si vous pouvez sélectionner aussi un point d'interrogation pour indiquer que vous ne comprenez pas quelque chose, par exemple, en particulier. Voilà, est-ce que, alors on va commencer par une première question. Voilà, vous me dites par un pouce levé ou un pouce en bas si vous m'entendez bien, si le son n'est pas haché. Si jamais il y avait un petit souci dans ce cas-là, je baisserais moi, enfin je couperais ma vidéo, ce qui permettrait effectivement d'avoir une qualité sonore. Donc vous me faites un petit point, voilà, un petit pouce levé si c'est bon, et si c'est pas très bon, un petit pouce en bas. Voilà, donc ça a l'air plutôt bien pour tout le monde, et comme ça, tout le monde a trouvé où était le bouton. Super, on va pouvoir enchaîner alors. Bien, alors je vais vous proposer donc un petit sondage. Donc vous pouvez désactiver votre petit pouce, hein, ça ne se fait pas automatiquement. Donc je vais vous proposer un petit sondage qui bien sûr, je n'ai pas les résultats là, à l'avance, hein, on ne fait pas de politique ici, donc je ne connais pas les résultats des sondages. Donc je vais aller chercher dans ma présentation mon petit outil de sondage. Et je vais effectivement vous lancer, vous allez voir, un certain nombre de questions. Et je vais vous demander effectivement de répondre à ces questions. Donc on va mettre une minute de temps, on va mettre une minute, voilà, pour répondre aux questions, parce que vous allez voir, c'est pas très long. Hop, voilà, donc je lance ça maintenant. Et donc vous allez. Vous pouvez répondre aux questions et au fur et à mesure, donc vous allez voir à l'écran que bah, les réponses effectivement vont s'afficher. Vous avez effectivement tous ces camemberts qui se recomposent au fil de vos réponses. Voilà, donc les 14 participants, parfait. Alors, où est-ce qu'on en est? Voilà, donc a priori, ça a l'air presque terminé. Bien, parfait. Alors, je vais donc effectivement, je vérifie que tout le monde a bien eu le temps de répondre. Super. Et donc, je vais afficher les résultats du mardi 21. Voilà. Je vais donc partager ces résultats. Donc, je pense que vous les voyez là à l'écran cette fois. Voilà. Ça doit être bon, normalement. Et donc, donc en formation multimodale, vous nous dites, enfin l'affirmation c'était on se forme seul, ben, vous avez dit non, on ne se forme pas seul effectivement en formation multimodale, quoique dans certains cas ça pourrait arriver, hein, donc on reviendra sur ces points-là très rapidement derrière. Donc deuxième question, plus souvent une formation multimodale est une formation partiellement à distance, vous avez tout à fait raison, on reviendra là-dessus aussi. Une formation à distance est une formation d'entrée de gamme au rabais? Bah, vous avez dit non.
Donc vous allez voir, ça coûte cher, effectivement. Non, je rigole. C'est pas. Mais pourquoi ça peut sembler comme ça? Pourquoi est-ce que je vous ai proposé cette affirmation? Et puis, en formation multimodale, il n'y a plus de formateur. Et bien là, à 100% aussi, vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation. Vous pensez que c'est plutôt faux. Voilà, Cyril vient de nous rejoindre. Bonjour. Merci de vous joindre à nous. Alors, on va revenir. Vous voyez, donc déjà, c'était aussi l'occasion. Hein, j'essaie aussi de, dans la mesure du possible, que l'on soit en face à face, que l'on soit à distance, aussi de vous mettre dans des situations d'apprenant et donc vous faire découvrir que même quand on est en classe virtuelle, on n'est pas dans un système descendant. Bien évidemment, on n'a pas exactement les mêmes interactions que quand on est en face à face, bien que, hein, je vous le répète, n'hésitez pas à utiliser le chat, y compris pour vous dire bonjour ou vous dire des choses entre vous. Hein, voilà, on a le droit de faire de causer à son voisin hein, quand on est à la même table. Ben, on peut aussi causer à travers le chat. Donc c'est aussi l'occasion d'utiliser ces outils et donc les sondages nous permettent de créer de l'activité hein, en fait et créer des interactions donc entre les participants eux-mêmes et les participants et le formateur. Alors je vous propose de décrypter en fait très rapidement hein, ce que l'on vient de ces quatre points que l'on vient de voir à travers les questions. Donc se former en formation multimodale, on se forme seul, eh bien non, parce que on n'a pas que la notion de distance hein, dans la formation multimodale, et c'est pour ça que justement on n'utilise pas spécifiquement le terme de formation à distance. Une formation, elle peut être simplement ouverte, c'est-à-dire que dans ce cas-là, elle est bâtie sur un dispositif dans lequel on peut rentrer, sortir quand on veut. On peut se former quand on veut sur différents sujets, différents parcours, mais pas forcément dans un même lieu. Donc on n'est pas forcément tous ensemble, mais comme aujourd'hui, nous sommes bien en formation et donc on ne se forme pas seul à cette occasion. Donc une formation ouverte, ça peut également regrouper des publics venant d'horizons complètement différents, hein, qui apprennent ensemble sur un même sujet, en collaborant, comme c'est le cas par exemple dans les MOOC, où on a des personnes qui viennent sur des par intérêt personnel, par souci de reconversion professionnelle, de perfectionnement, de professionnalisation, ou même dans l'autre sens, qui viennent aussi apporter leur expertise au sein de la MOOC. Deuxième affirmation, une formation multimodale est une formation intégralement à distance. Non, aujourd'hui, effectivement, comme vous y avez répondu, la grande majorité des formations multimodales, ce sont des dispositifs de formation qu'on appelle mixtes. C'est-à-dire qu'ils comportent des temps de formation à distance et ils comportent également des temps de formation en face à face. Et donc la proportion peut changer entre les temps de distance, pardon, et les temps de face à face. Alors, il y a malgré tout une part très faible de formations multimodales qui sont des formations intégralement à distance. Elles ont une raison d'être et il ne faut absolument pas les exclure parce que si on a un public qui a des contraintes particulières telles que l'éloignement géographique, tout simplement, ou l'impossibilité ou de grandes difficultés à se déplacer pour X raisons, pour se rendre dans un centre de formation, dans un lieu de formation, bien, il sera pertinent de leur proposer certainement une formation intégralement à distance. Donc, multimodal, on va dire 95%, peut-être, je n'ai pas de chiffres précis à vous donner là-dessus, va se dérouler effectivement dans une organisation, dans une multimodalité dite mixte, présence-distance, mais on aura aussi bien sûr, quelques formations intégralement à distance que l'on va suivre depuis chez soi ou depuis un tiers-lieu, hein, comme on dit. Alors, la troisième affirmation, c'était la formation à distance est une formation au rabais. Alors, on l'a entendu il y a quelques années, hein, c'était voilà une pseudo-formation, c'est parce qu'on ne pouvait pas nous payer une formation classique, donc on nous payait une formation à distance. Donc, c'était très, très connoté il y a encore quelques années. Et pourtant, bien au contraire, la qualité des formations multimodales et de la formation à distance, même en général, FOAD, formation ouverte et à distance,
cette qualité n'est plus à démontrer, tant sur le plan de l'ingénierie pédagogique que des ressources multimédia que l'on utilise, donc ressources d'apprentissage que l'on propose aux stagiaires dans une formation de ce type. Les dispositifs les plus sophistiqués font appel à de la classe virtuelle, par exemple, comme maintenant, font appel à de la vidéo, à ce qu'on appelle également du motion design, c'est-à-dire des dessins animés, des choses de ce type-là, des serious games également. Ce sont des dispositifs, les uns comme les autres, qui sont très coûteux à réaliser. Et donc, on voit bien tout de suite qu'on n'est pas dans une formation au rabais, mais une formation qui va très rapidement coûter beaucoup plus cher qu'une formation dite papier-crayon. Hein, et donc, loin d'être une formation au rabais, je vous l'assure. La quatrième et dernière affirmation était un petit peu provocatrice en disant en formation multimodale, il n'y a plus de formateurs. Certains le croient, ça fait le pendant avec en formation multimodale, on se forme seul. Mais si on ne pousse pas aujourd'hui jusqu'à cet extrême de dire il n'y a plus de formateurs, on s'interroge quand même souvent dans les organismes de formation que je fréquente, on va dire, toutes les semaines, sur la place du formateur et est-ce que ces formateurs ne sont pas quand même en train de disparaître petit à petit, ou est-ce qu'il n'y en a pas quand même de moins en moins, ou est-ce que ce n'est pas un peu l'idée quand même, on va dire, de la direction ou du donneur d'ordre que de diminuer les coûts et donc diminuer les coûts salariaux et donc, par principe, les coûts des formateurs. Et en fait, qu'est-ce que l'on remarque aujourd'hui? C'est que la place du formateur, elle est essentielle. Parce que le formateur est omniprésent dans les phases de conception. Puis ensuite, ces formateurs, ils accompagnent les apprenants sous différentes formes, hein, tout au long, pardon, de leur parcours de formation. Et je dirais tout ce travail de conception et d'accompagnement, eh bien, ce sont des tâches qu'aucune machine aujourd'hui ne sait faire. On a des choses qui peuvent être automatisées, hein, on a certaines tâches, hein, qui peuvent être facilitées, et notamment facilité dans le bon sens et donc automatisé dans le bon sens. Je pense par exemple au questionnaire, vous avez vu ce que l'on a fait ne serait-ce que tout à l'heure. S'il avait fallu que vous m'écriviez chacun une réponse dans un email qu'ensuite j'aurais analysé, retraité pour pouvoir vous les présenter sous forme de graphique, on y aurait passé toute l'heure, alors qu'en 5 minutes, on a pu faire un sondage très rapidement. Donc il y a des outils, bien sûr, qui vont permettre de faciliter la vie du formateur, qui vont lui permettre de mieux travailler, mais dans tous les cas, il est toujours aussi présent, notre formateur. Voilà, alors, puisqu'on est parti dans les activités où je vais vous faire travailler un petit peu, hein, parce qu'on n'est pas dans. Bon, voilà, et le but, c'est aussi d'éviter le mode qu'on appelle conférence, hein, dans une classe virtuelle, et en l'occurrence dans les webinars. L'objectif est là aussi de vous faire réfléchir, chacun de votre côté, ou si certains sont à plusieurs dans un même lieu, échanger entre vous, et noter. Donc, sur un tableau blanc que je vais vous afficher, voilà tout de suite, il suffit que je le trouve. Voilà, mon tableau blanc, il est là. Je vérifie que vous ayez bien toutes et tous, voilà, donc Vanessa Ferry vient de nous rejoindre, donc je lui donne accès également. Elle a le droit d'écrire. Et donc, ce que je vous propose, bien, c'est en fait sur ce tableau partagé. Donc, vous êtes 16, ça fait 32 mains. Si je ne me trompe pas, eh bien d'aller écrire. Hein, vous avez en bas, normalement, des outils, hein, un outil texte notamment, qui vous permet, vous cliquez dessus et ensuite vous cliquez dans le tableau blanc. Et cet outil texte vous permet donc d'écrire. Et je souhaiterais que vous notiez en fait là au moins un mot du vocabulaire lié à la multimodalité qui vous passe par la tête, un mot que vous connaissez. Essayer d'être complémentaires les uns des autres, et de cette façon, on va voir si on peut, si on peut de voilà, hop, voilà, on peut dessiner effectivement, on peut écrire, ça y est, c'est parti, super, présentiel, distanciel, et voilà, comme si vous étiez, si on était tous dans la même salle et qu'on se mettait autour du paperboard pour noter sur des post-it, comme ça se fait bien maintenant. Les idées qui nous passent par la tête. Alors, je vais grossir un petit peu parce que hop, voilà.
Alors vous pouvez vous aussi, hein, vous avez en bas à droite les petits boutons qui vous permettent de régler le zoom. Donc ça c'est individuel, hein, c'est sur votre poste où vous affichez plus ou moins gros. Donc les différentes choses. Super, synchrone, asynchrone, donc la notion de plateforme, les MOOC que l'on a évoqué tout à l'heure, multimédia bien sûr. Alors on voit qu'il y en a qui sont plus vers les outils et les autres plus sur les modalités ou sur même l'ingénierie, du gain de temps, du choix du temps de formation, des outils collaboratifs, les outils du web. Ouais, super. Face à face versus autonomie. D'accord. Individualisation. C'est une bonne idée d'aborder ça. Moodle, on est dans les outils là aussi, donc les outils du Web 2, des quiz, des forums, des réseaux sociaux. Parfait. Les outils du Web 2 en général, hein, de plus en plus, voilà, ça apparaît deux, trois fois là, c'est tout à fait logique parce que ce sont vraiment des outils qui aujourd'hui ont un fort taux d'utilisation dans les dispositifs et surtout l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont gratuits et disponibles immédiatement, quoi. Ok, bah super. Voilà, bah je vous propose qu'on s'arrête là hein, pour l'instant parce que rapid learning, scénario pédagogique. Ah voilà, il n'y a pas que. Donc vous voyez à vous tous. Alors je vous connais pas, je ne sais pas de, on va dire quelles sont vos missions. Si vous êtes plutôt du côté de la technique ou du côté de la pédagogie hein, dans votre structure, mais on voit bien bah, qu'on a des choses qui nous viennent rapidement à l'esprit, qui vous viennent rapidement à l'esprit. Notion de jeu aussi, hein, qui apparaît ici, d'efficience, oui. On va penser projet, on va penser objectif, on va penser outillage, on va penser pédagogie, hein, scénario pédagogique, position effectivement du formateur, position du stagiaire, la notion de granularisation, ouais, c'est très, très intéressant là aussi, personnalisation, d'individualisation de la formation. Donc, bah écoutez, j'enregistrerai ce tableau que je vous enverrai parce que vous y aviez mis déjà beaucoup des choses que l'on pourrait, que l'on va développer aujourd'hui et puis la prochaine fois également. Alors, je vais revenir. Alors, je vous remercie. Merci pour ce travail participatif. Je vais revenir à mon diaporama, voilà, pour poursuivre effectivement le déroulement de notre webinaire. Alors, justement, donc il y a des termes. Moi, je vais essayer de vous les remettre un petit peu dans la chronologie et on va essayer de retrouver un peu le sens aussi de tout ça à travers un tout petit peu d'histoire et surtout rappeler des éléments de vocabulaire. J'ai mon pointeur là, qui se balade là où je veux pas. Alors, on va dire que tout ça a démarré, l'histoire de la FOAD, elle débute il y a bien longtemps, hein, c'est il y a plus d'un siècle. À l'époque, bien évidemment, on ne parle pas d'enseignement à distance, on parle encore moins d'Internet, mais ce sont plutôt les premiers cours par correspondance. C'est là qu'a démarré la notion d'enseignement à distance. Donc ces cours étaient envoyés par les services postaux. Et au fil des années, en fait, les nouveaux dispositifs apparaîtront à chaque fois avec le développement de nouveaux supports et de nouveaux outils en fait, de communication. Tout d'abord des technologies de diffusion de masse telles que le téléphone, la radio et puis plus tard la télévision. Et puis viendront ensuite des technologies numériques, les ordinateurs centralisés, puis les ordinateurs personnels, le Minitel qui a disparu en France, mais il y a eu de la formation par Minitel hein, pour les plus jeunes, les CD-ROM, les DVD interactifs, etc. Et dans les années 2000, bien sûr, l'apparition d'Internet. Alors, ce réseau mondial, il a donné naissance à de nombreuses formes hein, de formation et d'apprentissage en ligne, qui sont ceux que je vous ai affichés là sur cette diapo. L'enseignement à distance, largement répandu en France, hein, notamment grâce au CNED, hein, qui est encore un acteur bien évidemment très important de l'enseignement à distance. Et puis, le e-learning qui s'est développé au départ dans les grandes entreprises. On l'a appelé d'une mauvaise façon d'ailleurs e-formation aussi hein, pendant un temps en France. Hein, d'ailleurs, il s'est même resté. Vous avez un master à l'université de Rennes hein, qui s'appelle Master Ingénierie de la e-formation. Hein, le terme est resté. Et puis, bien sûr, la multimodalité est venue avec cette prise de conscience que la formation pouvait prendre plusieurs formes, présentielle comme distancielle.
Alors, on y retrouve bien sûr le terme de FOAD parce qu'il est important. Autant c'est un terme qui est bien utilisé dans les organismes de formation, il est un peu moins dans les entreprises, mais aujourd'hui il fait consensus dans le sens où c'est le terme qui a été repris par le législateur dans la réforme de mars 2014 et le décret FOAD du 20 août 2014. Où c'est le terme de FOAD qui est reconnu comme étant une modalité de formation et enfin, qui doit aussi respecter un certain nombre donc de contraintes hein, pour que cette FOAD soit considérée comme une formation au même titre, plus exactement qu'une formation classique. Voilà. Donc, faut pas supprimer complètement ce terme-là parce que maintenant qu'il est rentré dans les termes de la loi, on en a pour quelques années, je vais dire, et on aura du mal à s'en débarrasser. Bien sûr, plus récemment sont apparus les MOOC avec leurs différentes déclinaisons, hein, donc les SPOC, les COOC, alors les MOOC hein, rapidement, hein, donc les cours massifs ouverts en ligne, hein, et donc qui permettent à tout un chacun gratuitement de se former donc sur un thème qui va l'intéresser. La version COOC, on va retrouver la même chose, mais dans corporate, c'est-à-dire que là, c'est un MOOC fait à l'échelle d'une entreprise, par exemple, mais quand même une grande entreprise. Et puis SPOC, qui va se rapprocher dans certains cas des dispositifs de formation déjà connus, puisqu'on est plutôt small private, donc on est sur des cours ouverts, mais ils ne sont pas si ouverts que ça dans le sens où ils sont effectivement pour une plus petite population et dans un accès privé, c'est-à-dire que bien souvent d'ailleurs les SPOC vont être des versions payantes en fait des MOOC. Alors on a un terme qui est apparu il y a 2 ans à peu près, ou plus, tout du moins c'est largement répandu, qui est celui de digital learning, qui a une signification qui est à la fois très proche hein, des précédentes, c'est-à-dire elle a pour intérêt, enfin, ce terme a pour intérêt d'être plus fédérateur, il englobe plus de choses. Et donc ça sous-entend aussi que dans digital learning, on a un apprentissage qui se fait avec et par le numérique. On apprend avec le numérique, et donc on a une vraie ingénierie qui s'appuie sur le numérique, et puis on apprend aussi par le numérique, c'est-à-dire à travers les outils, hein, à travers la technologie numérique qui va nous permettre de réaliser un certain nombre de choses. Donc, ces différentes formes hein, de formation que l'on a là, elles vont nous faire nous prendre conscience qu'il n'y a pas, en fait, contrairement à certaines idées reçues, quelquefois, il n'y a pas une formation multimodale, mais bien des formations multimodales. Elles sont conçues en fait en fonction de stratégies, en fonction de problématiques qui sont aussi différentes que les entreprises, les services publics, les organismes de formation, les bailleurs de fonds, les commanditaires sont différents. Et donc, c'est bien pour ça qu'il n'y a pas un modèle de formation multimodal, et fort heureusement, c'est comme si on vous disait aujourd'hui qu'il existe un modèle pédagogique ou qu'il existe une façon de faire de la formation avec une durée déterminée, qu'on met des exercices systématiquement au bout de la 3e heure de la première journée. Non, voilà, ça n'aurait pas de sens. Donc, ça n'a pas plus de sens de croire qu'il y a une formation multimodale type. On ne peut avoir effectivement cette idée-là quand on en a connu une forme, quand on a connu une forme. Et même si vous avez suivi, vous, de là, dans les 2, 3 années passées, ou si vous avez suivi un MOOC, ben c'est pas parce que vous en avez suivi un que tous les MOOC, par exemple, qui sont passés un petit peu, sont devenus un peu grand public, hein, et qui ont fait du bien dans ce sens-là à la formation multimodale, eh bien, je dirais, beaucoup de MOOC peuvent être différents parce qu'effectivement, ils auront été conçus avec une ingénierie de formation, une ingénierie pédagogique différente. Alors, je vous propose qu'on regarde effectivement 5 types, 5 de projets, avec, je vous donnerai un exemple à chaque fois pour chacun de ces types de projets, de formation multimodale, pour quel objectif cette formation a été réalisée. Donc, vous voyez, on va en traiter 5.
Question de massification, on parlera de mutualisation des savoirs, et puis bien sûr des petits points, hein, formation, d'individualisation, d'attractivité, simplement, et puis aussi on parlera de mutualisation des savoirs, et puis bien sûr des petits points, hein, parce que où il n'y a pas de limite, hein, bien évidemment, à cela, on peut découvrir un intérêt à développer tel type de formation, tel type de multimodalité, pour répondre à un objectif précis, à un cahier des charges précis. Alors, premier cas que l'on va donc traiter, hein, je jette un petit coup d'œil si vous avez des questions, hein, toujours, hein, n'hésitez pas, hein, même si je ne les prends pas tout de suite, voilà, qu'on puisse au moins avoir 2-3 minutes à la fin pour peut-être répondre à vos questions s'il y a des choses qui vous interpellent, ne serait-ce que des termes, hein, vous savez, on est tous pareils. Hein, ça fait pratiquement 20 ans maintenant que je navigue avec ces termes-là. Donc, il y a des choses que l'on croit évidentes et qui ne sont pas forcément pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas s'il y a un terme qui vous interpelle. Vous voyez, j'ai repris FOAD ici. Bon, pour une raison toute simple, c'est qu'au moins, il tient dans mon titre. Sinon, je ne suis pas sûr que formation multimodale aurait tenu sur une seule ligne. Donc premier cas de figure en fait, hein, que je vous propose, c'est une question de massification. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, l'objectif, c'est de déployer à grande échelle une formation. Donc déploiement rapide sur de grandes populations. On va être plutôt dans le déploiement, par exemple, d'une solution e-learning d'entreprise où on a besoin de former beaucoup de personnel dans un temps très court. On va être dans des dispositifs peut-être plus d'auto-formation, peut-être accompagnés ou pas, hein, d'ailleurs, où le but va être de permettre à un grand nombre de salariés de se former dans un intervalle de temps très court. On peut avoir par rapport à des questions de sécurité, de devoir former très rapidement beaucoup de personnes pour qu'elles soient opérationnelles sur une question qui vient de surgir. Et en plus, si l'on est une entreprise internationale, ou un organisme de formation qui travaille à l'international, de vouloir le faire depuis n'importe quel lieu, que ce soit en France ou dans le monde, bien sûr. Alors, on va s'appuyer sur quoi, quelles seront les briques, hein, qui vont composer formation multimodale visant la massification, bien, il nous faut un LMS, hein, vous n'avez peut-être pas utilisé ce terme-là tout à l'heure, mais vous avez utilisé celui de plateforme, c'est synonyme, hein. Retenez bien ça, LMS, plateforme, donc LMS c'est Learning Management System, donc c'est la plateforme de formation en ligne, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle en français, donc on aura besoin effectivement d'un LMS, on va avoir besoin bien sûr de parcours de formation, mais qui dans ces cas-là sont la plupart du temps homogènes. Hein, si on forme à une procédure de sécurité, on va former tout le monde à la même procédure, et peut-être avec une petite part d'individualisation dans certains cas, mais on peut aussi vouloir que tout le monde suive exactement le même parcours de formation. Donc un ou des parcours de formation homogènes, qu'on va diffuser à une large population de personnes, partout dans le monde, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ces personnes sont équipées de terminaux. Hein, ils ont des équipements variés qui peuvent être, bien sûr, l'ordinateur portable, une tablette ou un smartphone. Donc, utilisation de plus en plus fréquente, notamment en entreprise, du smartphone comme étant un terminal nous permettant également de nous former. Alors, exemple, pardon, j'avais oublié qu'il y avait un exemple, bien sûr, entre-temps. J'ai pris l'exemple de l'école supérieure de la banque, hein, et donc le groupe CFPB. Le groupe CFPB, il y a quelques années, a répondu en fait à une sorte d'appel à projet, ou tout du moins à une demande qui répondait elle-même à une exigence en fait européenne, qui était de former l'intégralité des personnels du secteur bancaire et du secteur assurance à la lutte contre le blanchiment des capitaux, qui est devenu par la suite blanchiment des capitaux et lutte contre le financement du terrorisme. Ça s'est étendu il y a quelques années. Et donc formation obligatoire et en France uniquement 300 000 salariés à former dans les banques et dans les assurances sur un laps de temps d'environ un an et demi.
Et donc, le CFPB, qui est un des centres de formation de la profession bancaire, le plus important, a conçu un outil de formation dont une des versions est intégralement en ligne, à distance, et où les salariés peuvent se former en autonomie, ou être accompagnés par leur manager, ou être dans un dispositif multimodal également, c'est-à-dire avec des temps à distance, en autonomie, et des temps en salle, au sein de la banque peut-être, peut-être même avec des formateurs de leur propre banque. Donc voilà, vous voyez tout de suite que la rapidité, hein, formation obligatoire à réaliser rapidement, hein, je vous ai dit dans 12-18 mois, mais surtout pour un nombre très important de personnes, fait que l'on peut investir même des sommes importantes, et en l'occurrence là la somme était importante, pour former ces personnes-là, parce que le retour sur investissement est bien sûr rapide dans ces cas-là. Alors, deuxième cas de figure, deuxième objectif visé, l'optimisation. Qu'est-ce qu'on va chercher à optimiser? Bien, on va chercher à optimiser le temps le temps et le coût de la formation. Donc, si je suis en entreprise toujours, eh bien, je vais chercher par exemple à déployer une solution e-learning pour répondre à ce besoin d'optimisation de la formation, à limiter les coûts de formation, par exemple liés aux frais de déplacement. Si vous êtes une entreprise, il n'y a pas besoin d'être international, il suffit d'être sur plusieurs régions, plusieurs départements, voire tout le territoire français, eh bien, on va chercher à apporter une solution de formation adaptée au bon moment. Hein, c'est ce qu'on appelait, il y a quelques années, on parlait beaucoup de just in time, just enough. Hein, donc, on apporte la formation quand il faut et juste ce qu'il faut de formation. Hein, donc, si au lieu de remettre les gens dans un stage de 3 jours, eh bien, on va leur donner l'équivalent d'une journée, mais juste au bon moment et juste par rapport aux besoins qu'ils ont. Bien sûr, on va limiter les coûts pédagogiques de cette façon, on va limiter les déplacements, on va limiter les coûts salariaux. Et donc, dans les grandes entreprises, ça va permettre de diminuer le temps d'absence des collaborateurs. Ou tout simplement, pour certains, leur donner le temps de se former quand ils ne peuvent pas s'absenter des journées entières. Donc, en découpant la formation, vous avez parlé de granularisation, de modularisation dans le tableau blanc tout à l'heure, effectivement, ça va permettre de dire, ben là, j'ai 1 heure de disponible, je vais pouvoir me former sur telle partie de ma formation. Alors, même petit schéma que tout à l'heure, de quoi est-ce que l'on a besoin dans ces cas-là pour déployer une formation multimodale visant l'optimisation? Ben, un LMS toujours, je ne reviens pas dessus. Des parcours de formation, mais qui là vont être beaucoup plus variés que les parcours homogènes du cas précédent. Donc, que je vais bien sûr diffuser, mais à une population qui cette fois n'est pas homogène, population beaucoup plus ciblée. Hein. Telle personne n'aura pas forcément le même parcours que telle autre. Et puis, donc avec toujours des équipements là aussi variés comme ceux que j'avais tout à l'heure. Hein. Donc, pas de grand changement en termes comment dire, d'équipement et d'architecture en fait hein, de mon dispositif, mais pour viser quand même des objectifs qui eux sont différents, qui sont ces objectifs d'optimisation, diminuer les coûts, diminuer les frais de déplacement, optimiser le temps de travail des salariés, pour notamment que ce temps de formation soit un vrai temps de formation effectif. Il ne s'agit pas de les former moins ou il ne s'agit pas de les former plus vite, mais il s'agit que le temps qu'ils dégagent pour une action de formation soit véritablement du temps de formation et non pas de la perte de temps, notamment sur des temps de déplacement. Un exemple, l'université d'entreprise avec Schneider Electric qui avait une problématique pour former un millier de technico-commerciaux répartis dans le monde. Et donc, il y avait besoin de les former avec une culture maison. Donc, il n'était pas possible de les faire réaliser ces formations dans des centres de formation locaux. Donc il fallait que la formation soit dispensée par Schneider. Et donc une culture maison, un tutorat soutenu qui était assuré en l'occurrence par une partie donc des managers hein, qui étaient impliqués eux-mêmes dans la formation de ces technico-commerciaux. Donc et du coup, hein, bien évidemment, un temps consacré à la formation réduit puisque on n'avait pas besoin, bien sûr, de déplacer les technico-commerciaux pour venir en formation. Alors, j'enchaîne
sur un objectif cette fois d'individualisation de la formation. Donc, c'est une autre situation où on va chercher à la fois à modulariser dans un premier temps, puis à individualiser et contextualiser la formation. Contextualiser à chaque individu, et dans ce cas-là, la modularisation de la formation permet de construire des parcours individualisés grâce à des solutions technologiques que l'on appelle, vous avez parlé de granularisation, donc on l'appellera des grains, on parle de briques de formation. Bon, là, c'est qu'une question de terminologie. On a essayé d'imager, hein, aujourd'hui, on parle effectivement de ces briques. Vous avez le terme de capsule, hein, qui se rapproche, enfin, qui concerne plus particulièrement ce qui relève des animations et de la vidéo. Mais donc, on est bien dans des petites unités de formation qui correspondent en général à un objectif pédagogique. Et donc, on va construire à partir de ça des parcours types qui visent un objectif d'acquisition ou par rapport. Qui vont être construits par rapport à un référentiel de compétences, hein, en l'occurrence. Et donc, on va chercher avec ces parcours à positionner et à donc à proposer des parcours allégés ou renforcés en fonction des besoins. Alors, comment ça se décline tout ça? Bon, on a toujours notre LMS, parce que le LMS, c'est, je rappelle quand même, l'outil qui va nous permettre de déposer ces ressources, de les organiser dans des parcours, et ensuite d'inscrire des apprenants dans ces parcours. Que ces parcours soient homogènes ou que les parcours soient individualisés, c'est ça aussi qui fait la différence entre les LMS, c'est leur capacité, dans certains cas, à faire des parcours types, des parcours individualisés, etc. On va donc mettre en place des parcours individuels sur cette formation. On va systématiquement, du coup, positionner nos apprenants, parce que bon, à quoi bon faire des parcours individuels si effectivement on ne les a pas positionnés? D'ailleurs, la logique serait de positionner avant d'avoir fait les parcours individuels. Je vois qu'on nous rejoint encore. Marie Bourri vient de nous rejoindre. Bonjour. Je vous laisse prendre en cours de route. Et donc positionnement systématique pour bien sûr pouvoir suivre ces parcours avec des ressources là variées. On peut être beaucoup plus imaginatif là en l'occurrence. On va proposer des recherches sur Internet, on va proposer des quiz, de visionner des vidéos, de consulter des documents en ligne, de consulter des documents papier, hein, parce que ne perdons pas de vue non plus que dans multimodalité, il y a aussi la modalité papier. Avoir des documents, discuter avec une consoeur, bah peut-être que vous suivrez un de ces webinars qui est sur la construction d'un grain pédagogique, hein, concevoir un grain pédagogique qui aura lieu au mois de mai. On en discutait la semaine dernière, elle a un de ses clients pour lequel sa société a produit des ressources multimédia là, pendant 2 ans, et qui cette année a dit bah, on voudrait changer, on va revenir par rapport à ce que l'on a à transmettre à des fascicules. C'est ça aussi la multimodalité. Un d'entre vous était au Havre il y a 15 jours. On a aussi parlé de la ressource numérique. Hein. C'est ça aussi la multimodalité. Si certains d'entre vous étaient au Havre il y a 15 jours, on a aussi parlé effectivement de l'utilisation du papier hein, dans les formations. Voilà. Donc on boucle. Alors, un exemple pour des parcours individualisés en formation par apprentissage, alors donc formation en alternance. Dans cet établissement-là, on dispense des formations diplômantes qui sont d'à peu près 400 heures par an hein, sur 2-3 ans, et en l'occurrence des bacs pro, hein, des CAP ou des bacs pro. Et puis, on a une organisation variable hein, donc, qui est mise en place en fonction notamment des diplômes et de l'âge des apprentis, parce qu'il y a un niveau d'autonomie qui n'est pas le même à 16 ans ou à 20 ans, et pour lequel 10 à 15% du référentiel de formation est proposé en formation ouverte à distance. Cette FOAD, elle est soit tutorée quand elle est réalisée à distance, mais elle peut être également réalisée au centre de formation, au centre de ressources hein, par exemple. Elle peut être réalisée en entreprise, à distance, dans ce cas-là, enfin éloignée du centre de formation. Dans ce cas-là, on fait depuis l'entreprise, sur des temps qui sont des temps définis et on va dire sanctuarisés hein, quelque part, et négociés avec le chef d'entreprise, avec le maître d'apprentissage, et qui peuvent être également réalisés au domicile. Et dans ce cas-là, c'est le jeune qui décide s'il se forme
la journée, le soir, la nuit, en fonction de sa disponibilité, de son engagement, de son envie aussi, tout simplement. Et donc, les statistiques nous montrent qu'il y a une grande diversité, là aussi, bien évidemment, d'utilisation du temps de formation qui est proposé. Alors, voilà pour cet autre exemple. On va parler avant-dernier objectif que l'on peut être amené à viser, de l'attractivité aussi que l'on peut rechercher à travers la mise en place d'une formation donc multimodale et donc par l'introduction du numérique. On a pour un certain nombre de populations, hein, jeunes ou moins jeunes, des questions, des problématiques, hein, dans certains cas, d'engagement dans la formation, où les formateurs donc vont chercher à renouveler les pratiques pédagogiques. Alors, autant il n'y a pas de pédagogie numérique, hein, moi personnellement je m'insurge un peu contre ce terme, il y a aujourd'hui des pratiques pédagogiques, des courants, des méthodes pédagogiques qui s'appuient sur les outils numériques, que les outils numériques vont permettre de rendre plus efficaces, plus efficientes, qui vont permettre une plus grande variété avec plus de facilité hein, aussi dans certains cas. C'est-à-dire on va avoir, il sera plus facile aujourd'hui de varier des activités, de proposer par exemple des activités de groupe pour des personnes qui ne sont pas sur les mêmes sites, de faire de la production collaborative, ben, ce que vous avez fait tout à l'heure, hein, typiquement. Comment faire qu'aujourd'hui on puisse, en étant chacun à plusieurs centaines de kilomètres de distance, travailler ensemble sur un même document? Le numérique nous permet effectivement de renouveler la pratique et de se dire, je peux faire quelque chose de nouveau. Bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau en soi. Venir tous autour du tableau et mettre des idées ou donner des idées que le formateur note au tableau au fur et à mesure, je dirais le brainstorming, hein, le remue-ménage si on veut parler français, ce n'est pas le numérique qui l'a inventé, mais le numérique donne plus d'efficacité à certaines activités pédagogiques, certaines pratiques pédagogiques. Alors, on va bien sûr, on va raisonner avec une variété d'outils, hein, de l'ordinateur, on va utiliser de la classe virtuelle, on va utiliser des outils de sondage, d'agenda, de différentes choses, des quiz, enfin, tout ce que le numérique nous met à notre disposition aujourd'hui, et là, c'est quelque chose on a une grande richesse dans ce domaine-là. On va à nouveau, comme tout à l'heure, s'appuyer sur une grande variété de ressources. Le but, c'est de, pas toujours, bien évidemment, si on prend il y a quelques années, ben, on leur donnait que des ressources papier. Le but n'est pas simplement de passer de la ressource papier à de la ressource numérique que l'on va lire à l'écran, mais peut-être d'utiliser les deux. De temps en temps, faire consulter une vidéo, puis faire suivre un parcours de formation, on va dire beaucoup plus formel, leur faire faire des quiz, etc., etc. Voilà, donc variété des ressources et des activités, puisque à partir des outils, enfin en combinant plus exactement les outils et les ressources, bien on va construire des activités pédagogiques qui seront les plus variées possibles, hein, des échanges, des quiz, des recherches sur Internet, des temps d'exposé aussi, hein, où le formateur, voilà, il est à la tribune, il est au bureau et il expose, des challenges, hein, des concours, des moments où on va effectivement se mettre en compétition les uns les autres, des temps de discussion, alors que ce soit des discussions dans la salle ou des discussions à travers des outils comme le chat que je surveille d'un œil d'ailleurs, et autres moyens d'échanger ensemble. Voilà un exemple que j'accompagne depuis bientôt un an, l'IRTS ici des Hauts-de-France. Institut régional du travail social, où on introduit depuis donc un petit peu plus de 6 mois maintenant avec l'équipe pédagogique, bah, effectivement des outils numériques en présentiel, l'utilisation de la visioconférence. C'est un établissement qui est sur 5 sites et qui a des systèmes de visioconférence. Bah, là aussi, comme avec la classe virtuelle, on a rendu les visioconférences interactives avec une participation active donc des étudiants. Et donc, la création de diaporamas sonorisés, de vidéos, de modules. Et donc, le but étant de rejoindre aussi, on ne s'est pas trop étendu là-dessus, parce que notre temps n'est pas extensible, lui, mais rejoindre les apprenants, ce que j'appelle dans leur pratique numérique. Hein. C'est-à-dire, il faut être dans une continuité technologique qui fait que, ben, on va aller les chercher à travers des outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser.
de la vidéo par exemple, des réseaux sociaux, l'utilisation du smartphone qu'on évoquait tout à l'heure, voilà, donc des choses qui pour eux sont bien sûr pas, ne sont pas utilisées aujourd'hui à des fins de formation, mais ont un usage pour lesquels ils ont une facilité d'usage, on va dire, et on va s'appuyer sur cette facilité d'usage pour nous développer des activités pédagogiques. Et faire que ces outils, smartphone par exemple, et réseaux sociaux, hein, si je prends le couple smartphone-réseaux sociaux, bah faire que cet outil, que ce couple-là d'outils devienne effectivement un outil efficace en complément de la formation. Hein, si je reviens sur mon écran précédent, hop, pardon, je suis revenu à des écrans un peu trop loin. Voilà, le but, c'est bien de combiner tout ça pour proposer des choses les plus pertinentes et les plus intéressantes aussi, qui vont engager les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs. Alors, je termine sur un exemple autour de la mutualisation des savoirs. Ça peut être au sein de votre organisme de formation, ça peut être au sein d'une entreprise. C'est dont l'objectif est effectivement là de développer des activités, développer des apprentissages collaboratifs et partager des connaissances. Le but est quelquefois de redonner du sens au collectif, au sein de la structure, hein, quelle qu'elle soit. D'apprendre ensemble, de mutualiser des savoirs et de mutualiser des expériences. Alors, quelquefois, ce sont des choses qui sont imaginées pour une entreprise ou pour créer du lien entre l'entreprise et le centre de formation, dans les dispositifs de formation en alternance, hein, par exemple. Ce sont des formes de formation multimodale qui privilégient les outils collaboratifs, les outils de communication et notamment les réseaux sociaux que j'évoquais dans la diapo précédente. Alors, ça va, là, ça va être un petit peu différent. Il ne s'agit pas de s'appuyer sur une plateforme ici. On va partir plutôt de la collaboration entre les pairs avec effectivement des outils, des gens qui vont pouvoir échanger entre eux et ensuite mutualiser des savoirs et des expériences, alors quelquefois à travers des choses un petit peu procédurales, mais pas toujours, hein, ça peut être des choses très informelles, mais le but est de formaliser les choses et de mutualiser ce que l'on connaît et les expériences que l'on a développées individuellement ou collectivement. Et essayer de justement de structurer en fait ces connaissances communes. Si on parle d'informatique, ça va être dans des bases de données, mais le but, c'est surtout d'avoir quelque chose qui soit accessible à tout le monde et dans lequel on puisse aller puiser pour améliorer ses propres pratiques et sa propre expérience utilisateur ou expérience de terrain. Donc, il y a quelques années, on parlait de KM, de Knowledge Management, mais on était dans des dispositifs, dans des solutions qui étaient beaucoup plus basées sur la captation des savoirs de manière très normative. Hein, donc il s'agissait de faire rentrer dans des fiches, dans des procédures très précises, donc je dirais cette expérience que l'on avait, ces connaissances que l'on avait. Aujourd'hui, on est plus dans une logique dite de social learning, hein, où on va effectivement, par cette collaboration entre les pairs, mettre en commun, et de cette mise en commun, on va arriver à une sorte de structuration, hein, de fil en aiguille. Donc on va de quelque chose de très vertical, qui était le knowledge management, vers quelque chose de beaucoup plus horizontal, de moins normé et de beaucoup moins supervisé, ce qui est la logique effectivement de l'apprentissage par les pairs et donc de l'apprentissage entre pairs, donc social learning. Voilà, donc un exemple simplement pour illustrer ça, bien c'est ce qui est une communauté qui s'appelle Digit Hall chez GRDF, donc qui est la partie support hein, du département gaz hein, de GDF, donc c'est le côté réseau, voilà, chercher le R, c'est le R de réseau. Et donc la mise en place chez GRDF, eh bien donc d'un outil tout simplement qui s'appuie sur Twitter. L'objectif étant d'impliquer les salariés dans la publication de messages sur la transition énergétique, sur les énergies renouvelables, le gaz naturel, le management, enfin bon, voilà, tout ce qui fait sens autour du métier de GRDF. Et bien en fait, par cette production par
les tweetos GRDF, hein, voilà, vous voyez ici, merci aux 650 tweetos GRDF, donc ce sont ceux qui aujourd'hui participent régulièrement. Vous voyez, 650 personnes qui émettent des tweets et 50 000 personnes qui suivent ce fil de discussion, hein, ici. Et donc ça devient un outil de management interne et un outil de communication externe. Et donc, quelquefois, là, vous distinguez bien la limite et donc des frontières qui deviennent de plus en plus poreuses, hein, entre d'un côté information, formation, et puis là, formation et communication. Formation et management, hein, aussi. Formation et transmission des savoirs. Donc tout ça a du sens, que l'on soit en entreprise ou en organisme de formation. Voilà, donc sur cette première étape qui nous a donc amené à, je dirais, parcourir assez rapidement le vocabulaire, l'histoire, couper l'herbe sous le pied à quelques fausses idées qu'il aurait pu avoir, mais manifestement ce n'était pas le cas chez vous, puisque vous êtes inscrit en faux à toutes les affirmations que je vous ai proposées tout à l'heure dans le sondage. Donc bien sûr à parcourir les différents usages, hein, que l'on peut trouver à cette multimodalité. Alors, ce que je vous propose, bien, c'est de poursuivre un petit peu, c'est-à-dire qu'on va être, c'est vraiment une proposition, hein, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce webinaire, et si votre objectif est, comme je le souhaite, que vous assistiez à celui-ci, mais également à celui du mois de mars, et ensuite à d'autres animations tout au long du premier semestre, eh bien c'est que vous puissiez vous aussi vous mettre dans une logique de dire, bah, apprendre, ce n'est pas simplement venir dans une salle de formation, c'est aussi suivre un webinaire, mais c'est aussi apprendre par soi-même, individuellement, entre deux temps de regroupement, et un webinaire étant un temps de regroupement, même s'il est à distance. Donc il y a deux choses que je dis bien que l'on vous propose au niveau de Communautique, parce que le parcours là, que vous avez à l'écran, apprendre autrement. Donc cette découverte de la multimodalité a été conçue par et pour Communautique. Et donc je vous proposerai de suivre le premier, hein, le premier module ici, donc qui s'appelle la multimodalité tout simplement, qui va compléter ou revenir sur des choses que j'ai évoquées là, durant cette heure-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est un parcours de formation. Donc dès que notre webinaire là, sera terminé, je vous enverrai un mail qui est tout prêt là, et pour lequel vous trouverez toutes on va dire, les modalités d'accès à ce parcours de formation. Alors c'est un parcours de formation, mais totalement libre, hein, bien sûr, si vous avez envie d'aller voir les autres parties, hein, ici, les abeilles, là, les oiseaux et là, les fleurs. Les papillons, pardon. Vous pourrez bien sûr y aller, vous n'êtes pas contraint, mais l'idée c'est déjà dans un premier temps, si vous pouvez consacrer, allez, on va dire 15-20 minutes, à aller voir ce module sur la multimodalité. Et puis il y aura ensuite, donc voilà, donc, là vous avez déjà les éléments, mais je vais vous les renvoyer dans le mail. Ce que je vous proposerai aussi, c'est de découvrir quelques ressources d'apprentissage multimédia, vous en connaissez très certainement de votre côté. Le but, c'est que vous en découvriez trois que j'ai identifiées pour l'instant, puisqu'on va revenir, bien sûr, sur ces questions des ressources d'apprentissage multimédia lors de notre prochain webinaire. Je vous en présenterai d'autres, mais ça sera bien de pouvoir s'appuyer déjà sur la consultation que vous aurez réalisée, puisque ça me permettra de vous poser des questions de public. Qu'est-ce que l'on apprend finalement à travers ces ressources? Et on essaiera de voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, pour quel type de public, qu'est-ce que l'on apprend finalement à travers ces ressources-là. Et puis bien sûr, il faudra se poser la question de comment est-ce qu'on les conçoit, ou comment est-ce qu'on les achète, ou comment est-ce qu'on les loue, hein. Il y a plein de modalités là aussi différentes pour disposer, hein, prenons le terme le plus large possible, disposer de ressources d'apprentissage multimédia. Il y a plein de façons de le faire. Soit on les fait soi-même, soit on achète, soit on se les prête. Voilà, il y a plein de modalités aujourd'hui existantes déjà, et puis d'autres certainement à imaginer dans les années ou les mois à venir. Donc ça vous sera proposé aussi à travers un lien. Vous aurez un lien vers trois ressources différentes pour découvrir cette différentes facettes, hein, donc comme je vous l'ai dit, puisque la nouvelle, le
le nouveau webinaire s'appellera Dans les coulisses de la multimodalité. Voilà, on est juste dans les temps, j'aurais pas pu faire mieux. Des fois, on a du mal à boucler, mais là, je savais que ça devait tenir en théorie, donc j'ai fait pour. Je vois pas de questions particulières dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut, on a peut-être 30 secondes, une minute, si quelqu'un veut prendre la parole, peut-être Christophe, toi-même, ou peut-être quelqu'un autour de toi, peut-être pour lancer le débat, lancer une question à la volée. Non, rien du côté de Caen. Je vais rediffuser ma voix. Non, non, mais écoute, c'était très clair. Nous, on n'a pas de questions particulières. Je pense que tout au long, je rajouterai peut-être quelques liens à ton mail, parce que ça m'a fait penser à des webinaires qui ont eu lieu sur les modèles économiques, des articles sur le digital learning, etc. Donc, ce serait bien aussi que éventuellement vous alliez explorer, ou que vous alliez regarder particulièrement ces points-là, puisque tu les as évoqués pendant la séance. Voilà. D'accord. Et sinon. Alors, une question, je vois d'Isabelle Rousseau dans le chat. Quelle plateforme avez-vous utilisée pour le parcours? Alors, pour le parcours particulièrement, c'est une plateforme Moodle qui a été utilisée. Voilà. Ah, Moodle. Et voilà. Et vous verrez que les modules, et je réponds peut-être à une question qui va arriver après. Les modules eux-mêmes ont été conçus par donc deux formatrices qu'on connaît bien. C'était Sophie Ferrandino, un outil auteur. Peut-être que ça parlera à Marie Opal. Voilà, peut-être que cet outil, ce qu'on appelle un outil auteur, peut-être que ça parlera à certains. Et du coup, vous verrez, on abordera cette question-là dans le prochain webinaire sur comment concevoir des ressources, en l'occurrence. Très bien, bah écoutez, merci à toutes et à tous, hein, de votre participation, votre attention pendant toute cette heure. Et puis bah, j'espère qu'on se reverra aussi nombreux, voire plus, donc 21 mars. Donc là, le webinaire est enregistré, je vais stopper son enregistrement. Si vous avez des points que vous voulez retourner voir, ou quelqu'un que vous connaissez qui n'a pas pu suivre, eh bien, il suffit qu'effectivement il soit abonné à Communautique et pourra retrouver cet enregistrement dans l'historique des webinaires. Je ne sais plus quel est le terme exact, Christophe, qui est pour parler des Replay, replay. les C'est dans replays. le, c'est le, voilà. Replay. Voilà, dans la rubrique replay. Voilà, bien, bonne fin d'après-midi et puis à très bientôt donc. Merci.